on va commencer. On va commencer. On laisse rentrer Jean-Pascal, hein? Et je Voilà. vais faire entrer au fur et à mesure les autres OK. participants, hein? Parfait. Et donc, je voulais vous dire bonjour et bienvenue au atelier des IDOS 64, les forums de pratiques numériques pour l'éducation. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu suivre les conférences ce matin, et je vous rappelle qu'il s'agit de la 13e édition des IDOS 64. Et que c'est un événement qui est organisé par les départements des Pyrénées-Atlantiques en partenariat avec l'éducation nationale. Et vous êtes ici à l'atelier A5, hein, et de la salle intitulée de la salle des classes à l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle à la salle des classes pour les niveaux proposés pour les niveaux CM1 et CM2, parce que lui animera par la suite un autre atelier sur la même thématique, mais adressé à un autre niveau d'enseignement. Et cet atelier est animé par Luis Galindo. Hein, chargé d'expertise et des partenariats à réseau Canopé, notamment au département de la recherche et du développement des réseaux Canopé. Luis Galindo, que nous remercions très, 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 très chaleureusement. Et qui suis-je? Hein, je suis Myriam Turon, directrice de l'atelier Canopé 64, hein, et membre de l'équipe d'organisation des IDOS 64 depuis de nombreuses années. Et comme d'autres organisateurs, et je suis chargée de suivre l'atelier de Luis, accompagner cet atelier de Luis. Je vous ai mis sur le chat, en cas de problème, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur le chat. Ou je vous ai mis aussi un mail et un numéro de téléphone en cas de problèmes techniques. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, peut-être des visioconférences, on va vous demander de couper vos caméras et vos micros, ce que je ferai par la suite, hein, moi aussi, et lever la main quand vous avez une question, quand vous souhaitez participer, et ouvrir à ce moment-là votre caméra et votre micro. Voilà, je vous laisse, hein, je ne m'attarde pas plus, je vous laisse avec Luis pour ces super ateliers. Merci Myriam. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Myriam vient me présenter. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, avant de commencer, je voulais vous partager un questionnaire. Donc, je vais vous envoyer le même questionnaire à la fin de l'atelier. Donc, ça va être intéressant de voir un peu l'évolution de nos perceptions autour de l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous mettre le lien du premier questionnaire. Donc, on peut l'appeler le pré-questionnaire de l'intervention. Et je vais vous demander juste cinq mots, les premiers cinq mots qui vous viennent à l'esprit quand on dit intelligence artificielle, et de le mettre en ordre des priorités. Donc, le premier mot qui vous vient à l'esprit, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième. Donc, si vous voulez, vous pouvez commencer à compléter. C'est très rapide parce que c'est juste les cinq mots. Vous faites envoyer et c'est bon. Et à la fin, je vais vous envoyer le même questionnaire. Comme ça, c'est intéressant de voir et l'évolution, on va dire, de nos perceptions. Je fais les mêmes exercices avec des étudiants de l'université, avec les élèves, et je vais faire le même exercice aussi avec les cadres de l'éducation nationale. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir justement cette évolution des perceptions ou des représentations qu'on a de l'intelligence artificielle. Donc, je vais partager mon écran pour commencer. Donc, juste peut-être vous rappeler qui est une autre approche, en fait, quand on travaille autour de l'enseignement, on va dire de l'intelligence artificielle. Dans notre approche, on a une approche à deux volets, on va dire. Donc, les premiers volets, c'est enseigner l'intelligence artificielle. Donc, nous, on fait aussi partie du groupe de travail à Escolia, qui c'est le groupe de travail de la DNE avec le laboratoire LINE de l'Université de Nice et d'autres laboratoires, parce que c'est un grand, grand partenariat. Il y a plusieurs personnes, justement, qui font partie de ces groupes, de l'INRIA, de l'ORIA, etc.
Et nous, on pilote l'axe pour enseigner l'intelligence artificielle. Donc, on s'intéresse beaucoup à la façon d'enseigner l'intelligence artificielle. Et pour ça, on fait différentes expérimentations avec différents publics. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer l'exemple. Mais je vais vous donner des explications aussi pour les autres publics, comment on aborde la question. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on l'expérimente dans les terrains avec... la classe d'une ex-enseignante qui maintenant est au rectorat, je pense qu'elle était inscrite à l'atelier, donc peut-être qu'elle va arriver l'heure, donc ça va être intéressant de la voir aussi. Et un enseignant, Michael, de l'école d'Amayou, donc d'une petite commune en Nouvelle-Aquitaine. Donc et on expérimente là, et ce qui était intéressant, c'est cette approche en ascendant. Donc on construit tout ce que vous allez voir avec les croissements de la recherche, parce que la base de tout ce que je vais montrer vient de nos collègues du MIT Media Lab qui ont fait Scratch, entre autres, et de Stéphanie Abruga. Il y a d'autres personnes aussi qui ont contribué justement à ces travaux de base. Mais ensuite, sur ces travaux de base, on a construit des choses avec les enseignants. Parce que parfois, c'est difficile justement de construire des choses. Donc, je vais vous donner les explications au fur et à mesure que je vais avancer dans l'explication de ces parcours, on va dire, que c'est plutôt pour CM1. C'est l'expérimentation de cette année, c'est CE1, CM2. Donc, c'est l'introduction à l'intelligence artificielle. Donc, on va commencer par cette partie-là, dès la salle de classe à l'IA, donc notre premier volet. Et l'autre volet qui nous intéresse beaucoup, c'est dès l'intelligence artificielle à la salle de classe. Donc, ce que vous avez vu ce matin, si vous étiez là ce matin, c'est les applications comme MathIA, comme Lalilo, etc. Et les impacts dans la salle de classe. Par exemple, les questions, est-ce qu'on n'est pas en train de renforcer un vieux système, finalement, qui était basé uniquement pour les examens, mais avec de l'IA. Et donc, on se pose beaucoup de questions aussi autour de ces volets qui intéressent peut-être plutôt les cadres. Mais pour bien comprendre les impacts justement de ces applications, il faut bien comprendre comment c'est la main, comment c'est la fonction. Et c'est pour ça qu'on va aborder ces premiers volets. Et je vais vous faire vivre, on va dire, l'expérience de l'expérimentation qu'on est en train de mener dans la classe d'Amayou. Donc, pour commencer, c'est la première question que je pose aussi aux élèves, aux petits élèves, aux lycéens, aux collégiens, aux étudiants, aux cadres, etc. Et c'est toujours la même question. À quoi vous fait penser l'intelligence artificielle? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer et nous dire quelques mots, quelques phrases. À quoi vous fait penser quand vous entendez intelligence artificielle? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer pour ouvrir le micro pour répondre à la question. Non, quelqu'un? Un mot? Deux mots? Oui? Allez, Louis, je me lance si tu veux, c'est Delphine. Ouais, super. Ça. En premier lieu, c'est Turing qui me vient en tête. Super. Non, j'ai pas entendu. Turing. Alan Turing. Et ensuite, DeepMind. Ok, DeepMind, Google. Voilà. Presque j'avais mis Al 9000, après c'est la culture cinématographique, mais voilà cette vision de l'intelligence artificielle. C'est très intéressant, ouais. C'est l'espace. Le machine learning. Voilà, forcément. Et après j'avais mis aussi comme autre mot, les données. Les données. Bien sûr. Quelqu'un d'autre veut se lancer? Lui, ouais. Sur le chat, il y a deux. Ah, Claire, okay. Claire nous dit que ça lui fait penser à robot, et Valérie à algorithme. Merci. Donc, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que justement, quand on demande ça à. J'ai demandé à tous les publics, et normalement, la réponse est dans ces images-là. Normalement, c'est robot, ou parfois des appareils comme Alexa, Siri, donc Google Home, etc. Qui d'ailleurs, c'était le cadeau le plus vendu cette année à Noël, en 2020. C'était justement un Google Home, ou ça dépend, Alexa, etc. Donc, normalement, on reçoit ce type de réponses quand on pose justement cette question. Et c'est pour ça que nous
essayé après de décortiquer tout ça et redemander aux élèves ou aux personnes en général, aux étudiants ou à n'importe quel public, la même question après. C'est un peu l'idée de faire ça. Une question qui était intéressante, c'est justement la partie algorithme. Parfois, quand on entend même dans la presse, par exemple, la dernière fois que j'avais écrit justement un article sur la base d'un autre article qui était dans The Guardian, c'était l'algorithme nous a pénalisés. C'était les étudiants de l'université en Angleterre qui se voyaient pénalisés. Les étudiants de lycée pour entrer à l'Angleterre qui se voyaient pénalisés par un algorithme pour entrer à l'université. On a plein d'exemples similaires. Mais ce qui était intéressant, c'était l'intitulé, parce qu'il parlait d'algorithme. Donc on dit toujours l'algorithme, elle a fait ça, les algorithmes vont faire ça, etc. Et on va voir que c'est un peu plus complexe que ça, en fait, et que l'algorithme fait partie de quelque chose qu'on appelle un modèle d'intelligence artificielle, qu'on va vous montrer juste après. Donc, on commence toujours par cette question, qu'est-ce que c'est un algorithme? Quelqu'un veut se lancer, peut-être juste une personne, qu'est-ce que c'est un algorithme? Ou une idée, juste un mot peut-être? Non, peut-être deux, trois mots? Sinon, on va commencer. Donc, un algorithme comprend trois parties. Donc, l'entrée, les étapes pour modifier cette entrée et la sortie de, justement, cette modification. Et avec les petites élèves, on avait commencé avec d'autres analogies, mais les analogies étaient très compliquées. Par exemple, j'ai donné l'analogie de mettre un nouveau contact dans votre téléphone. Donc, l'entrée, c'est, par exemple, les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, etc. Les étapes, c'est d'utiliser cette entrée pour la sortie. Donc, c'est, justement, je vais cliquer sur le nom, je vais écrire le nom, le prénom. Ensuite, je vais cliquer sur « Entrée ». Et la sortie, c'est mon nouveau contact. Mais le problème, c'est qu'avec les petits de CM1, CM2, parfois, c'était un peu trop compliqué, en fait, et cette analogie. Donc, avec l'enseignante, avec Laure, à l'époque, on avait commencé à imaginer une autre analogie. C'est pour ça que je vous dis que la base de tout ça, c'est nos collègues du MIT. Mais à partir de là, on a commencé à ajouter plein de briques avec les enseignants. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant. Comment on peut travailler tous ensemble, chercheurs, enseignants, élèves, etc. Donc, on est parti par les sandwichs ou la nourriture, en fait, pour travailler avec les élèves. Et vous allez voir qu'on va prendre le même exemple autour de toute cette première partie. Donc, créer un sandwich. Aux élèves, on demande de créer un sandwich, on demande l'entrée. Et l'entrée, c'est les ingrédients du sandwich. Après, les étapes, c'est comment je vais utiliser ces ingrédients justement pour faire mon sandwich. Donc, c'est les instructions que je veux, comment je vais utiliser. Je vais mettre le pain, ensuite la salade, la viande et l'autre pain, etc. Et ensuite, la sortie. Mais la sortie, bien évidemment, c'est notre sandwich. Donc, vous voyez toujours ces trois éléments dans un algorithme. L'entrée, les étapes et la sortie. Donc, après, ce qu'on fait avec les élèves, on demande de faire votre sandwich. Donc, on demande, les élèves commencent à faire le sandwich avec le pain, la salade, les tomates, etc. Donc, on voit différents types de sandwich dans toute la classe pour entrer dans cette dynamique d'algorithme. Et comme ça, on comprend un peu comment ça marche l'algorithme. Après, dans les autres séances, on va voir comment ça marche, cette construction du sandwich avec l'intelligence artificielle. Donc, dans les cas de l'intelligence artificielle, c'est un peu différent, mais on a toujours trois étapes. La première étape, c'est l'entrée. La deuxième étape, c'est les étapes. Et la troisième étape, c'est les étapes qui utilisent cette entrée pour faire toujours une prédiction. Donc, l'intelligence artificielle fait toujours à la fin une prédiction. Donc là, on continue avec l'analogie du sandwich et on dit aux élèves qu'on va faire, on va essayer de faire un sandwich, mais avec l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, l'activité, elle est différente que la partie de l'algorithme. Donc là, on demande aux élèves de faire le sandwich, donc l'entrée. L'entrée, ça va être les ingrédients, donc on reste sur la même chose. Les étapes, c'est la machine qui va créer les instructions, donc ce n'est pas nous, parce qu'on va faire les sandwichs à la façon de l'intelligence artificielle. Donc, il y a les ingrédients et la machine va essayer d'inventer, on va dire, les instructions. Et on va voir dans la suite comment ça marche et comment on renforce justement ce fonctionnement de l'intelligence artificielle pour à la fin avoir une prédiction. Et la prédiction de l'intelligence artificielle va être les sandwichs.
Donc là, on a la scène avec l'entrée, les étapes et la prédiction, que c'est les trois parties qui constituent l'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que si on demande de faire ça à l'intelligence artificielle qui n'a jamais fait un sandwich, peut-être qu'on va terminer avec un sandwich similaire à ce que vous êtes en train de voir dans l'image qui est là. Donc un sandwich qui ne va pas être très bon en fait, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas construire un sandwich. On les donne les ingrédients, mais ça va être un peu compliqué pour l'intelligence artificielle de prédire un sandwich, parce qu'elle ne connaît pas les sandwichs. Donc on doit l'entraîner à l'intelligence artificielle à faire des sandwichs. Et donc là, on va essayer justement d'entraîner notre intelligence artificielle pour notre système d'intelligence artificielle pour créer un super sandwich. Donc, on commence à travailler justement avec les élèves, avec l'entrée. Mais l'entrée, peut-être que pour l'entraîner, il n'y a pas que les ingrédients. Peut-être qu'on peut l'entraîner avec plus d'éléments. Les ingrédients, on peut dire l'intelligence artificielle, on a les tomates, on a la salade, la viande, on peut avoir aussi du poisson, on peut avoir différents types de pains, etc. On a les instructions aussi. Donc, par exemple, mettre le pain comme ça. Si tu as de la viande, tu mets la viande au milieu, etc. Et ça peut être intéressant aussi si on est en train de construire un système qui va prédire les sandwichs que j'aime le plus. Ça peut être intéressant de le dire, mes sandwichs préférés, donc les sandwichs que j'aime bien en fait. Donc comme ça, on a différents éléments, on va dire, pour entraîner l'intelligence artificielle. Donc plein d'entrées, mais si on imagine plus d'entrées, l'intelligence artificielle va être plus entraînée justement pour faire les sandwichs. En fonction de cet entraînement ou de ces entrées, la machine va créer les instructions ou les étapes. Elle va imaginer des choses pour justement faire la prédiction. Et la prédiction, ça va être un sandwich. Mais à chaque fois, la prédiction peut être différente. Par exemple, si je dis à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est le matin, j'adore manger des œufs et avec la salade, avec un peu de tomates. Et un bon pain de ce type, je ne sais pas, avec des graines, etc. Probablement, l'intelligence artificielle, chaque matin, va me proposer des sandwichs avec un œuf, etc. Peut-être que les soirs, je mange un sandwich qui est un peu différent. Donc là, elle va me proposer autre type de choses. Donc à chaque fois, elle va essayer de s'améliorer aussi pour me proposer les sandwichs qui vont aller le mieux avec moi, avec ce que je préfère, avec les ingrédients que je préfère, etc. En fonction justement de cet entraînement qu'on a réalisé. Et ensuite, là, on voit les trois parties avec l'intelligence artificielle, mais là, on va un peu plus loin. Donc, l'entrée, alors, c'est quoi? C'est les jeux des données. Donc, ça, c'est la première partie, les jeux des données. La deuxième partie, c'est l'algorithme d'apprentissage qui va utiliser l'entrée, les jeux des données, pour faire la prédiction. Donc, dans chaque scénario, dans tous les scénarios, on a toujours la même chose. L'entrée, les jeux des données, l'algorithme d'apprentissage qui va utiliser ces jeux de données et va faire une prédiction. Dans les langages du machine learning, etc., etc., on appelle ça un modèle. Donc peut-être que pour The Guardian, quand ils ont dit « Ah, l'algorithme nous a pénalisés », peut-être c'était les modèles d'intelligence artificielle ou de machine learning dans ces cas-là qui avaient pénalisé ces étudiants en Angleterre. Donc, on commence par les jeux des données. La première chose qu'on fait, c'est de demander aux élèves et à tout le public qu'est-ce que c'est un jeu des données. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer pour dire qu'est-ce que c'est un jeu des données. Quand on dit jeu des données, c'est quoi? Quelqu'un veut se lancer? Ça peut être quoi un jeu des données? Ou ça vous fait penser à quoi un jeu des données? Aucune idée. Un ensemble d'informations, en fait. Un ensemble d'informations. Et une autre idée? Ahmed dit Descartes. Descartes. Et en fait, ça peut être n'importe quelle chose. Mais comme avec les élèves, on est en train de travailler. Là, quand je suis avec les collégiens ou les lycéens, ce qu'on fait, c'est de montrer, par exemple, beaucoup d'images. Donc, ils collectionnent d'images. Ça peut être aussi les puces, par exemple, quand je clique sur quelque chose. Donc, ça peut être n'importe quelle chose. C'était intéressant. Et je pense que la collègue nous disait une collection d'informations. Donc, comment on continue à faire des sandwichs dans la nourriture avec les élèves des C1 à CM2? On continue avec la même analogie. Donc, les jeux des données, ça peut être n'importe quelle chose. Par exemple, les types de pains.
Donc, tous les types de pains qu'on peut voir là. On peut trouver des pains pour le vergel, on peut trouver le pain pita, on peut trouver un pain un peu plus sucré, on peut trouver un pain complet, etc. Donc, ça peut être tous les types de pains, le jeu des données. Un autre jeu des données, dans notre exemple, ça peut être les légumes. Donc là, on peut avoir de la salade, des tomates, on peut avoir des concombres, etc., 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 gingembre, etc. Donc, une autre partie dans notre exemple, ça peut être la viande, ça peut être le poisson, ça peut être les saumons, et c'est la même chose que les poissons, et ça peut être le poulet, etc., etc., etc. Après, on dit autre type, ça peut être les légumineuses, par exemple les pâtes, le riz, les patates, etc. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment n'importe quel type de choses, par exemple les fruits aussi, les pommes, les oranges, etc., 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 les raisins, etc. Donc là, on a les jeux des données. La deuxième partie, c'est l'algorithme d'apprentissage. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard pour l'algorithme d'apprentissage. Donc pour le moment, on va le laisser en pause, l'algorithme d'apprentissage. Mais cet algorithme, il va utiliser ces jeux des données pour faire une prédiction. Donc l'algorithme d'apprentissage, il va nous dire, par exemple, là, quand j'ai ces ingrédients-là, et je vais mettre le pain, ensuite je vais mettre la salade, les tomates, la viande, le jambon et le pain. Et je peux dire aussi, ah là, je dirais que j'ai une burger, donc je vais mettre ce type de pain avec la salade, les tomates et ce type de viande là dedans. Là, je dis, ah, je pense que j'ai un hot dog. Donc, il va déterminer justement les règles pour faire le sandwich, pour faire la prédiction. Donc là, on dirait que c'est un hot dog, donc on va mettre du maïs avec des oignons, etc. Donc, justement, elle va utiliser ces jeux de données, l'algorithme d'apprentissage, pour faire la prédiction. Et la prédiction, ça va être notre sandwich. Et comme ça, on arrive à mieux comprendre avec les élèves dans ces travaux justement d'apprentissage, des progrès dans la compréhension de comment ça marche. Ensuite, on a des personnages. Et on essaie de prédire pour ces personnages. Par exemple, Lucie. On connaît de Lucie qu'elle aime bien le pain pita, la salade et le jambon. Donc, on va dire à l'intelligence artificielle de nous prédire un sandwich pour Lucie. Et pour Lucie, on arrive pita, salade, jambon. Ensuite, il y a Julien. Julien, on voit une caractéristique spécifique. Là, on voit qu'il aime bien la viande. Donc, peut-être qu'on va prédire une bear pour Julien, avec un peu de piquant parce qu'on sait qu'il aime bien le piquant, Julien. Donc, on va prédire un sandwich que c'est plutôt un burger. Pour Alexis, on voit qu'Alexis, il aime bien les poisons, en fait. Donc là, peut-être qu'on va prédire un sandwich des poisons avec un peu de salade. Ensuite, on voit Marion. Et Marion, on voit qu'il n'y a pas de pain ni rien, mais on voit beaucoup de légumes, on ne voit pas de la viande. Peut-être que Marion est végétarien, donc on va lui proposer un plat, que ce n'est pas un sandwich, mais c'est du riz avec une salade et peut-être avec, je sais pas, des oignons, etc. Donc, vous voyez, il y a les données et en fonction de ces données, on essaye d'écrire les règles pour prédire le plat ou le sandwich que nos personnages vont aimer. Et ensuite, on a une science, que ça va être le 2 février, notre expérimentation pour la science, parce qu'il est temps de cuisiner avec l'IA. Et là, c'est les élèves, donc on donne des cartes aux élèves, justement pour essayer de prédire un sandwich. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont prédire, les élèves, mais on donne ce type de sandwich. On donne des données, de l'information, et c'est eux qui vont être les protagonistes, on va dire, où ils vont se mettre dans les chaussures de l'IA pour construire un sandwich ou un plat pour ces personnages. Par exemple, Lucille, on sait qu'elle aime bien la nourriture asiatique. Les derniers week-ends, elle a pris une grande assiette avec beaucoup de riz. Elle adore le riz, etc. Là, on voit les ingrédients que Lucille aime bien. On voit du saumon, on voit du piquant aussi, etc. Donc, on va voir qu'est-ce que les élèves ils vont inventer en fonction de ces données. Donc, les élèves ils vont essayer d'imaginer les règles pour prédire un sandwich ou un plat que Lucille va bien aimer. On a Théo aussi, là on voit que Théo il aime bien la viande, le poulet, les patates, etc. Que Théo est allé au McDonald's, à Subway. Donc on voit à peu près les profils de Théo pour prédire un sandwich. Mais c'est les élèves qui vont prédire les sandwichs. Donc les élèves deviennent acteurs dans les chaussures, on peut dire, de l'intelligence artificielle. Là, on voit Charles. Il y en a plein de personnages, en fait, avec différents types d'informations ou des jeux de données que les élèves vont essayer d'identifier, de traiter et de faire quelque chose. Vous voyez ? Donc, et là, on termine, on va dire, cette journée pour les élèves. Et quand on termine cette journée pour les élèves, on passe à une autre activité, mais c'est un autre jour parce qu'après, on essaye de renforcer justement ce qu'on vient d'apprendre, d'assimiler ce qu'on vient d'apprendre parce qu'ils sont petits. Et ensuite, on va à cette partie. Pardon ?
Pardon, juste une petite question qui a été posée pour sur les chats d'Ahmed. Il te demande si est-ce que le jeu des données consiste uniquement à une bibliothèque d'images ou autre. Peut-être avant de passer à la deuxième séance, si tu pouvais préciser. Ça peut être vraiment n'importe quelle chose. Par exemple, dans ce que nous allons construire, et avec les élèves, et c'est que je vais vous expliquer maintenant avec les jeux des données, parce qu'on peut faire différents types de choses. Je vais vous montrer deux outils qu'on utilise avec les élèves, avec les petites élèves, pour construire, c'est très basé sur le machine learning. Mais et une chose que je vais vous montrer, et que ça, je ne l'ai pas fait pour les élèves, ça, je l'ai fait pour les adultes, mais c'est de reconnaître si un système utilise ou pas de l'intelligence artificielle. Et je me pose plusieurs questions. Et ça, c'est en fonction des données, justement. Peut-il voir? Donc là, ça va être les images. Donc je me pose plusieurs questions. Je ne vais pas vous faire tout le parcours, mais si elle peut voir, ça veut dire que c'est la vision par ordinateur ou le traitement des images. C'est que vous voyez, par exemple, avec ces sites qui créent des images, des fausses images, ou un système qui reconnaît les personnes, par exemple, utilise ce type d'intelligence artificielle qui est basée avec les images. Mais ça peut être aussi du son ou du texte, les jeux des données. Et dans ces cas, peut-il entendre, peut-il lire? Et après, je fais plusieurs questions pour dire si c'est juste un micro, donc s'il ne fait pas vraiment, s'il ne comprend pas vraiment ce qu'il entend, ce qu'il lit. Et par exemple, Alexa, Siri utilise quelque chose qui s'appelle le traitement du langage naturel. Ça, c'est quand je peux entendre ou le système, il peut lire. Donc, mais je pose plusieurs questions pour arriver à savoir si vraiment il s'agit d'un système d'intelligence artificielle. Et autre chose, c'est la partie robotique. Donc, peut-il bouger ou c'est juste un robot? Là, j'ai mis stupide, mais c'est un robot qui suit un schéma. Donc, les données, là, c'est les capteurs, en fait. Les capteurs et des robots, différents types de données. Et en fonction de ça, on arrive que c'est un robot intelligent, ou c'est plutôt la robotique qui utilise cette partie de l'intelligence artificielle. Et sinon, on a une autre partie des données, que ça, c'est à partir des bases de données. Je vais vous montrer juste après un exemple, et ça va être beaucoup plus clair pour vous. Et c'est là qu'on utilise beaucoup le machine learning. C'est pour ça qu'on se concentre à partir d'ici avec le machine learning, parce que c'est quelque chose qui est très utilisé. Aujourd'hui, il y en a différents types de machine learning. On a l'apprentissage supervisé qui rassemble à ce que je viens de vous montrer. Donc, on donne beaucoup d'exemples à une machine. Je vais vous expliquer ça juste après. Et en fonction de ces exemples, la machine va faire une prédiction. Mais parfois, je ne connais pas les classes, en fait. Je ne connais pas les exemples ou je ne connais pas les catégories de ces exemples. Je vais vous montrer un exemple et ça va être plus clair. Et quand je ne connais pas ça, il s'agit d'un apprentissage non supervisé. Par exemple, si j'ai beaucoup de textes, beaucoup, beaucoup de textes, et j'aimerais savoir toutes les thématiques qu'il y a dans les textes. Pour moi, ça va être difficile de savoir ça. Et donc, la machine va me proposer les possibles et les possibles clusters que Thierry, disiez parler ce matin. Et là, je vais pouvoir identifier les clusters qui parlent plus de football, ça dépend de mon texte, le cluster qui parle du basket, etc. Les supermarchés, c'est un bon exemple justement de l'apprentissage non supervisé. Parce que moi, je peux acheter beaucoup de choses et en fonction de ça, je peux identifier qu'il y a une personne qui est plutôt végétarienne. Il achète beaucoup de choses très bonnes santé, bio, etc., pas de la viande, etc. Peut-être qu'il y a la personne que je peux catégoriser comme fast-food, par exemple, qui achète beaucoup de trucs des surgelés, etc. Donc, c'est un bon exemple que la machine me propose des classes, on va dire, et c'est moi qui va catégoriser ces classes. Dans l'apprentissage supervisé, non, je connais par défaut ça. Par exemple, si j'aimerais construire un système, c'est ce que je vais faire juste après, c'est ce qu'on fait avec les élèves, un système qui va reconnaître les images des chiens et des chats, je sais déjà chat et chien. J'ai déjà les deux classes en fait que j'aimerais reconnaître dans les problèmes. Et en fonction de ces deux classes, je vais entraîner la machine pour qu'il soit capable de reconnaître les chats et les chiens. Et après, il y a l'autre, que c'est l'apprentissage par renforcement, que c'est un peu comment on entraîne les animaux avec des prix quand ils font quelque chose de bien et non. Et ça, c'est quand on a un système qui interagit tout le temps avec l'environnement, en fait. Par exemple, les jeux vidéo, c'est un bon exemple de ça. Et c'est pour ça que les jeux, par exemple, DeepMind, quelqu'un avait nommé DeepMind, c'est un bon exemple aussi. Par exemple, dans les jeux, on est en train d'interagir et à chaque fois qu'on se trompe, on va dire « t'es trompé, donc tu ne fais pas ça ». Et si tu fais un truc qui va te faire gagner, tu vas essayer de répéter ce mouvement, on va dire, pour gagner dans les jeux.
Donc ça, c'est pas forcément. Mais les plus utilisés, on se concentre un peu plus sur l'apprentissage supervisé parce que c'est plus utilisé, c'est plus parlant aussi pour les élèves. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc, on a deux options pour faire cet exercice. On a Teachable Machine, que vous pouvez le trouver sur Internet et faire différents types d'exemples. Vous pouvez télécharger votre modèle. Et ça, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de construire un modèle qui va reconnaître les hommes et les femmes. Et vous allez voir qu'il y a une partie éthique à la fin de cet exercice, que c'est justement la troisième séance qu'on fait avec les élèves. Et après, je vais vous montrer Machine Learning for Kids, que c'est l'autre alternative. Parfois, c'est un peu plus compliqué pour les enseignants, mais je vais vous montrer ça juste après. Donc, dans ma problématique, dans mon modèle, j'aimerais bien créer un système qui va reconnaître les hommes et les femmes. Donc, je vais créer les deux classes, comme je disais avant, chien et chat. Là, c'est homme. Ça, c'est la première classe. Et femme, c'est la deuxième classe. Maintenant, j'ai besoin d'images, en fait, pour entraîner ma machine. Donc, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup d'images. Donc, j'ai déjà téléchargé des images des sites qui créent des hommes et des femmes qui n'existaient pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette application d'intelligence artificielle. Et j'ai déjà téléchargé plein d'hommes et plein de femmes. Donc là, je vais mettre 30, je pense que j'ai téléchargé 30 hommes. Vous voyez, c'est des enfants. J'essayais de choisir des images un peu plus variées. Là, j'ai 30 hommes et 30 images d'hommes. Donc là, l'intelligence artificielle, je viens de la mettre dedans dans mon modèle. La deuxième partie, c'est les femmes. Je vais faire exactement la même chose pour les femmes. Je vais charger les 30 photos que j'ai téléchargées des femmes. Voilà. Et je vais mettre toutes les photos des femmes. Donc là, j'ai deux classes, mais je pourrais avoir plus de classes. Dans mon exemple, j'ai uniquement des hommes et des femmes. Avec les enfants, ce qu'on va faire et le 2 février, c'est de créer un modèle ou un système d'intelligence artificielle qui va reconnaître les animaux, donc différents types d'animaux. J'avais besoin de beaucoup de photos d'animaux, en fait. Et l'exercice est très intéressant parce que vous pouvez utiliser aussi la caméra pour prendre des photos, etc., et mettre les images dedans. Donc, la deuxième partie, c'est entraîner les modèles, la partie algorithme. Là, on n'a rien à faire parce que l'algorithme, il est dedans. Donc, comme j'ai choisi images, et l'algorithme commence à s'entraîner à partir des images, mais vous pouvez choisir un algorithme pour les sons, donc NLP, Natural Processing Language, que j'avais dit avant. Vous pouvez le faire pour les textes ou vous pouvez le faire aussi pour juste les chiffres. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, c'est les trois types, on va dire, des modèles qu'on peut construire en fonction de notre problématique. Ici, la problématique, c'est les images. Donc, j'ai hommes et femmes, des images. Mais je peux, par exemple, construire un modèle pour reconnaître la voix. Donc là, je vais utiliser plutôt un algorithme pour la reconnaissance vocale. Ouais, je peux construire un algorithme pour les textes. Donc là, ça va être le même algorithme parce qu'il doit reconnaître les langages naturels, on va dire. Donc là, c'est bon, mon algorithme l'est construit. Donc mon modèle, il est construit. Maintenant, je vais le tester pour voir s'il fonctionne bien ou s'il ne fonctionne pas. OK, donc là, je vais charger des images qu'il n'a jamais vues, l'algorithme. Je vais montrer des nouvelles images et on va voir s'il est capable de reconnaître les images. Par exemple, cet enfant-là, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, on dirait que c'est une fille pour moi. Et on va voir pour l'algorithme. Pour l'algorithme, c'est une femme à 92%. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je fais cet exercice, on n'obtient pas les mêmes résultats. Donc, tout dépend de l'entraînement de la machine. Donc, mais normalement, il arrive à savoir que cette photo, c'est une femme, en fait. En tout cas, pour l'algorithme. On va faire une autre et après, je vais vous montrer peut-être un homme. Là, c'est une femme. Une femme encore. J'ai téléchargé plein. Ah oui, parce que ça, c'est les photos qu'il connaît bien. Donc là, on va montrer là, par exemple, une femme ou un homme. Je ne suis pas sûr. Là, pour l'algorithme, c'est un homme à 73%. Et ensuite, je vais vous montrer une dernière photo et pour ne pas faire long. Et cette personne-là, pour vous, j'imagine que c'est une femme. Pour moi, c'est clairement une femme. Mais regardez qu'est-ce qui se passe, en fait. Pour l'algorithme, cette personne est à 100% un homme, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là, en fait? Et c'est là qui va nous amener à la troisième séance avec les élèves, la partie éthique et l'importance de bien entraîner notre modèle. Non, ce n'est pas l'algorithme qui est au milieu, mais c'est que j'ai entraîné ici avec des images où les hommes, ils ont, je pense, hein, c'est mon hypothèse, et c'est l'hypothèse de tous les élèves, hein, que pour la machine, tous les hommes, ils ont les cheveux courts et toutes les femmes, ils ont les cheveux longs, en fait.
Et donc, pour la machine, cette personne, comme il a les cheveux courts, il est un homme. Et le problème, c'est que dans ces cas, on n'a pas entraîné la machine avec beaucoup de données et on ne l'a pas entraîné avec des données qui sont très diverses, en fait. Et c'est cette discussion qui est très riche et très intéressante à avoir avec les élèves, parce qu'on peut aborder beaucoup de sujets et beaucoup d'exemples à partir de ces sujets, en fait. Donc, on a une troisième science qui est plus en lien avec l'éthique. Donc, dans cette partie-là, les élèves sont acteurs, parce que c'est eux-mêmes qui vont entraîner et vont créer un modèle, que d'ailleurs, vous pouvez exporter. Vous avez une autre option pour faire exactement la même chose. Ça s'appelle Machine Learning for Kids. Et Machine Learning for Kids, grâce à notre ami François, qui a tout traduit les projets, si vous cliquez sur « Projet », vous allez trouver plein d'exemples. Et vous allez voir que dans les exemples, ça c'est le projet, c'est le plan de travail en fait. Dans les plans de travail, vous allez avoir plein d'exemples à mettre en place et on voit la même chose. Par exemple ici, c'est du texte. Ici, c'est des nombres parce que c'est avec des bases de données. Je peux arriver par exemple dans l'éducation, si c'est que Claudio montrait ce matin, par exemple, si je vois qu'un élève est allé à tel cours, qu'il a suivi tel parcours et je peux essayer de prédire si cet élève va réussir à faire quelque chose ou pas. Donc là, j'ai une base de données où les colonnes sont les variables. Donc il a fait ça, il a fait ça, il est allé là-bas, il a obtenu cette note, etc. Et les lignes sont les observations. Et en fonction de toutes ces données, je vais essayer de prédire si, ou je vais entraîner avec toutes ces données des élèves qui ont déjà fait quelque chose, je vais essayer d'entraîner une machine qui va prédire, par exemple, si je vais réussir un cours ou pas. Ça, c'est un exemple pour les nombres, en fait. Un exemple plus parlant pour ça, c'est les Titanic. C'est un cours, d'ailleurs, que quand vous faites du data science, c'est une des premières choses que vous allez voir. Et c'est cet exercice du Titanic, où on a une grande base de données avec toutes les personnes qui ont monté dans les Titanic, et on essaye de prédire en fonction de « je suis une femme, un homme, mon âge, et, etc. » On essaye de prédire si une personne avait plus de chances ou moins de chances de survivre au Titanic. Vous allez trouver les mêmes exemples, et encore une fois, c'est des chiffres. Mais vous allez trouver des exemples avec des images aussi, c'est ce qu'on vient de faire, avec des images. Et vous pouvez connecter votre modèle à Scratch ou à Python, en fonction de l'âge avec lequel vous êtes en travailler. Pour nos petits, c'est Scratch, parce que c'est beaucoup plus facile de le faire. Et vous allez voir que quand vous allez faire un projet, vous allez avoir la même chose, toujours, de ce que je viens de faire. Par exemple, vous allez choisir la reconnaissance avec du texte. Donc, j'ai besoin d'un même problématique. J'ai besoin de reconnaître la voix, ce que j'écris, des images, des chiffres ou des sons. Là, je vais mettre des images. Et hop. Qu'il est en train de. Voilà. Hop. Des images. Normalement, je ne sais pas pourquoi il met. Ah, le nom de mon projet. Donc, on va mettre test. Donc, je vais créer, et je ne vais pas faire l'exemple complet, mais vous voyez, on a la même chose. On a entraîné, et quand on entraîne, on va faire la même chose. On va créer plein de classes. Pour créer les classes, j'ajoute ici une nouvelle étiquette, parce qu'on appelle étiquette les classes, par exemple, homme, femme. Vous voyez, je peux faire exactement la même chose. Donc, homme, je vais montrer plein d'images d'hommes, plein d'images de femmes, etc. Ensuite, je vais faire entraîner. Et quand on entraîne ici, ça, c'est une personne qui travaille à IBM qui l'a fait. Donc, on va entraîner la machine avec... j'ai oublié le nom de la machine d'IBM. Mais avec un algorithme spécifique. Watson, merci beaucoup. Avec Watson, on va entraîner la machine. Et ensuite, quand on fait faire, on peut la connecter à Scratch, etc. Donc, ça dépend de la problématique. Donc, vous voyez, on a toujours ces trois parties que j'ai montrées dans la présentation qui était là, en fait. On voit toujours le même parcours, on va dire, de la présentation. Et ensuite, pour comprendre comment ça marche, ça, je l'ai fait plus, pas avec les petits, parce qu'on passe à la partie IA, mais c'est intéressant pour vous de savoir comment, avant, on faisait un programme et comment on le fait aujourd'hui. Imaginons qu'on veut faire un programme pour reconnaître si une personne est en train de marcher, de courir ou de faire du vélo. Pour savoir, à la façon traditionnelle, on pouvait avoir la vitesse. Par exemple, si la personne marche, si la personne, la vitesse de la personne est moins de 4, la personne est en train de marcher.
Et là, on a une autre variable. On veut savoir s'il va, qu'est-ce qu'il se passe quand il va courir. Donc là, si la vitesse est moins de 4, elle est en train de marcher. Sinon, elle est en train de courir. Très bien, donc ça marche notre programme encore. Là, encore une autre variable. On voit les vélos. Si la personne et la vitesse de la personne est moins de 4, c'est marcher. Sinon, si est moins de 12, c'est courir. Sinon, c'est faire du vélo. Et comme ça, je peux ajouter plein de choses. Mais imaginez-vous cette image ici. Comment, avec la façon traditionnelle, if-else, de faire, je peux arriver à identifier si la personne est en train de jouer au golf? C'est impossible de cette façon traditionnelle. Et c'est là qu'il devient intéressant l'intelligence artificielle. Parce qu'on peut arriver à faire ce type de choses. Donc, dans la programmation traditionnelle, on a toujours des règles et des données. Les règles, c'est la vitesse moins de 4, marcher. La vitesse moins de 12, courir. Sinon, c'est faire du vélo. Des données, c'est justement la vitesse. Donc, la personne, à quelle vitesse elle est en train d'aller. Et à travers mon programme traditionnel, je vais avoir des réponses. La personne marche, court ou fait du vélo. Mais dans l'intelligence artificielle, les choses fonctionnent un peu différemment. Donc là, on va montrer des exemples. Donc on change les choses et c'est que, regardez comment on change réponse et règle. Regardez ici, règle c'est là et réponse c'est là. Là, c'est réponse ici et règle ici. Donc nous, on va donner plein de réponses qu'on peut appeler des étiquettes ou des exemples et plein de données en fait, ce qu'on vient de faire. Et en fonction de ça, la machine va créer des règles. Et vous avez vu dans l'exemple que j'avais montré avant, la machine a déterminé comme règle, par exemple, que les femmes toujours avaient les cheveux longs et les hommes, les chevaux courts. Parce qu'en fonction de mes réponses, de mes exemples, de mes images que j'ai montrées et de mes données, la machine est arrivée à ce type de règles. Et c'est là qu'il devient intéressant ce débat éthique, en fait, autour de l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'il faut comprendre comment ça marche. Et en fait, c'est justement ça qu'on appelle un modèle. Parce qu'à partir justement de ces exemples et ces données, la machine va faire des règles ou des prédictions. Et c'est ça qu'on appelle un modèle de machine learning ou un modèle d'intelligence artificielle. Et à chaque fois, on va donner des données, des nouvelles données que la machine ne connaît pas, et la machine va faire des prédictions. Donc toujours, on va avoir les données, les modèles et les prédictions. Et c'est la qualité de notre modèle, justement, qui va faire des bonnes prédictions ou pas. Et qu'on va entrer dans des scénarios qui parfois sont très compliqués de façon éthique, qu'on pénalise des personnes, etc. Et ça devient très important justement quand on commence à concevoir des systèmes d'intelligence artificielle pour les milieux de l'éducation. Donc pour terminer cette séance, une autre partie qui est très importante dans ce contexte, c'est savoir ou mieux comprendre les relations entre les humains et les machines. Et pour ça, on va voyager quelques années en arrière, en 1997, quand Garry Kasparov, le champion mondial d'échecs, il perdait avec une machine créée par IBM qui s'appelait Deep Blue. Donc j'imagine que vous connaissez cette histoire. Mais peut-être que vous ne connaissez pas la suite, parce que Garry Kasparov, il ne voulait pas admettre à l'époque qu'il avait perdu face à une machine. En fait, il était persuadé qu'il y avait un humain derrière la machine, qui était un champion d'échecs, parce que ce n'était pas possible. Donc en 2004 et 2005, et si vous cherchez, il y a des articles sur ça très intéressants, il voulait faire une expérimentation où il mettait un humain, une machine versus une machine versus un humain, un humain avec un autre humain versus une machine. Donc, il voulait voir la différence et la complexité, on va dire, quand il y avait un humain avec une machine versus une machine, un humain versus une machine, etc. Il voulait voir qu'est-ce qu'il s'est passé, en fait. Si, par exemple, si la machine battait toujours l'humain, normalement, notre hypothèse pourrait, on pourrait formuler l'hypothèse qu'une machine plus un humain, la machine va être réduite par l'humain et il va perdre face à une machine. Donc, il voulait tester justement cette hypothèse. Et sans surprise, les duos humain-machine battaient l'humain. Si la machine battait l'humain, les duos humain-machine battaient l'humain. Mais ce qui est intéressant, c'est que les duos humain-machine battaient aussi la machine. Donc, c'est très intéressant pour se poser une question, en fait, là. Donc, et là, c'est intéressant d'aborder l'intelligence, parce que l'intelligence humaine comprend plusieurs dimensions. Et parfois, quand on conçoit, parfois toujours, quand on conçoit un système d'intelligence artificielle, on n'a qu'une seule dimension, en fait. Et peut-être que là,
c'est intéressant et c'est pour ça qu'on parle d'IA faible et sont tous les systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui qui sont capables de faire uniquement une tâche. Ils sont très bons pour les calculs, pour ces tâches, mais après, ils ne sont pas capables de faire une autre chose. Mais en général, pour les humains, ça marche un peu comme ça. On a différents dimensions de l'intelligence et c'est la raison pour laquelle parfois les écureuils vont déjouer aussi les humains dans certaines tâches parce qu'on n'a pas la même dimension d'intelligence. Une autre chose intéressante à explorer, c'est les outils en fait et l'intelligence artificielle comme outil pour les humains. C'est qu'on parlait un peu ce matin. Donc, à travers notre histoire, nous avons inventé différents outils pour augmenter nos capacités cognitives, comme les lances, les flèches ou même l'écriture dans les temps plus modernes. Ces outils n'ont pas seulement facilité la vie humaine, ils ont changé complètement notre mode de vie et ils ont permis d'inventer d'autres choses comme les mathématiques, les sciences, les arts, qui aujourd'hui sont les piliers de la civilisation moderne. Donc, dans ce contexte, imaginez que je vous donne un stylo et qu'avec cet stylo, un stylo et une feuille de papier, et qu'avec cet stylo et cette feuille de papier, je vous demande d'imaginer plein d'idées pour résoudre un problème spécifique. Je vous dis, ok, je vous donne 5 minutes, essayez de résoudre ces problèmes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être dessiner des choses, vous allez peut-être faire une carte mentale avec les stylos, vous allez connecter vos idées avec les stylos. Donc, dans ce contexte, les stylos vous va augmenter votre capacité pour écrire des choses, pour connecter vos idées, pour formuler des hypothèses, pour essayer de résoudre les problèmes. Mais imaginez maintenant qu'à cet stylo, j'ajoute une brique à les stylos, je colle la brique à côté et je vous demande de faire la même chose. Ça va être très compliqué pour vous, en fait, de résoudre les problèmes avec la brique et les stylos. Peut-être que vous n'allez pas et pouvoir écrire. Et c'est là les problèmes, en fait. C'est que les stylos, qui nous facilitent la tâche pour exprimer nos idées, va bloquer notre capacité, justement, d'organiser nos idées, de générer des nouvelles idées, etc. Donc, c'est justement cette expérience que, dans les années 60, Douglas Engelbart, entre autres, grande chose qu'il a fait, il a inventé la souris, il avait fait justement ça. Parce que pour lui, les outils devaient toujours augmenter les humains, en fait. Et lui, il imaginait justement l'ordinateur pour faire ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que l'ordinateur, et l'IA en général, c'est un outil très passive en fait, au lieu d'augmenter notre créativité, c'est juste quelque chose qui est passive ou qu'on utilise en fait. Et peut-être que c'est dans ces contextes que l'IA devient une confrontation et pas une collaboration. Elle va remplacer notre travail, elle va nous remplacer dans nos emplois, etc., etc., etc. Donc peut-être que la chose la plus importante n'est pas dans l'intelligence artificielle, peut-être qu'elle n'est pas dans les humains, mais peut-être qu'elle est dans notre collaboration. Donc, pour connaître notre collaboration, on doit connaître nos forces et nos faiblesses de l'IA et de l'intelligence artificielle. Donc, commençons par les forces des humains. Les forces des humains, si vous regardez les enfants, c'est l'intuition, l'empathie, la créativité qu'on développe, qu'on continue à développer jusqu'à l'âge adulte. Pour les faiblesses, c'est facile aussi de l'identifier. Si vous regardez l'école, on passe toute notre vie à apprendre les choses qui sont compliquées pour nous finalement, comme l'arithmétique, les calculs, la mémoire, la logique. Donc peut-être que notre faiblesse, elle est là. Et c'est intéressant de noter que justement ces tâches, nos faiblesses, nos téléphones portables le font très 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 rapidement, comme calculer des grandes quantités de chiffres, la mémoire, l'arithmétique, etc. Donc, si on passe au côté de l'intelligence artificielle, cette faiblesse, peut-être qu'elle est la force de l'intelligence artificielle, dont les traitements des chiffres est la force la plus grande de l'intelligence artificielle. Ils sont très, très bons pour justement calculer des grandes quantités de données, etc. Mais peut-être qu'elle est aussi sa grande faiblesse. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle arrive à bien savoir, à bien déterminer, par exemple, des trucs comme bon ou mauvaise, gagner, égalité, perdre dans un jeu. Elle arrive à calculer des choses, mais elle ne va jamais arriver à se demander pourquoi, comment et si, et à formuler des hypothèses, par exemple. Et là, on va toujours avoir besoin d'un humain pour faire ce type de tâches. Et peut-être que c'est dans cette interaction, elles sont très bonnes pour calculer. Nous, on est très bons pour demander pourquoi, comment et si. Et peut-être que c'est dans cette interaction, dans cet aller-retour, qu'on va trouver cet équilibre intéressant avec les intelligences artificielles qui sont meilleures pour choisir les réponses, peut-être, et nous, meilleurs pour choisir les questions. Et c'est dans cet aller-retour des réponses et des questions que peut-être on va trouver un équilibre entre les deux.
Donc, dans ces contextes, les humains choisissent les questions et les intelligences artificielles nous donnent les réponses ou nous proposent différents types de réponses. Et cet aller-retour va être intéressant. Mais dans ces contextes, il est toujours intéressant parce que c'est bien d'avoir des bonnes réponses, il est important d'avoir des données. Donc, la partie intéressante, peut-être que n'est pas l'IA, n'est pas les humains, mais la collaboration entre les deux. Donc, si vous n'avez pas de questions, je ne sais pas si vous voulez, on peut faire une mini-pause pour les questions, mais sinon, je voulais vous donner ces liens-là, Miro. On a exactement les minutes qu'on doit y avoir. Donc, si vous vous connectez à ces liens-là, vous allez arriver à ces bords. J'aurai gardé mon écran pour le moment, si vous voulez. Donc, ici, en fait, il y a différentes associations, différents chercheurs aussi, qui essaye de suivre le développement de l'intelligence artificielle dans différentes industries. Dans l'éducation, on a repéré toute cette partie-là, par exemple, vérifier les taux de fréquentation dans les classes, vérifier que les élèves ont rédigé leurs propres travaux, aider les étudiants sourds à apprendre, noter les travaux, surveiller des centres d'examen. Vous voyez, ce sont des tâches très spécifiques. Mais on voit aussi des exemples, ce que vous avez vu ce matin, par exemple, avec Claudio, mais aussi avec Didier, les applications comme la Lilo, Matia et d'autres applications du PIA, par exemple en France. Donc, ce que je voulais vous demander pour terminer, c'était si dans la partie supérieure du bateau que vous êtes en train de voir là, si vous cliquez si vous copiez-collez, en fait, CTRL-C, CTRL-V, un post-it, vous pouvez écrire une solution qui pourrait bien fonctionner dans les milieux de l'éducation et nous dire pourquoi. Donc, ça va être intéressant de savoir ça. Et dans la partie inférieure du bateau, c'est les choses qui nous freinent. Donc, essayez de penser à une solution qui pourrait être un risque ou un danger et de nous dire pourquoi vous pensez ça. Donc, en même temps que vous êtes en train de faire l'exercice, donc vous pouvez si vous faites double clic, vous pouvez changer ce qu'il y a dans les post-it et vous pouvez copier-coller les post-it. Sinon, vous pouvez créer un post-it à gauche. Il y a toute la liste des post-it et vous faites un glisser-déposer du post-it et vous pouvez commencer à écrire. Les textes, ils s'adaptent automatiquement au post-it, donc vous n'avez pas besoin de changer la taille du post-it. Donc, vous voulez vous lancer? On se lance très vite, si vous voulez, dans 5 minutes. En même temps, je vais essayer de vous donner quelques exemples de ce que je pense. En fait, je pense que dans les exemples qui pourraient nous augmenter, je vois par exemple Google qui nous a proposé cette application où par exemple, nous, on fait des dessins et Google nous propose différents types de dessins. Et en fonction de ça, c'est un peu un aller-retour. Donc, c'est un exemple intéressant justement de cette collaboration. Mais dans les parties négatives, je vois aussi des choses que je pense que ce matin, on a abordé un peu les questions. Et c'est l'adaptive learning, en fait, qui parfois me dérange un peu dans le sens que, je vous donne un exemple de ça, je ne veux pas dire le contexte exact, mais dans les Pays-Bas, c'était une personne des Pays-Bas, il avait fait une petite expérimentation où, dans l'expérimentation, on avait une application où on s'entraînait pour apprendre le français. Donc, la personne était, ou les groupes étaient du Pays-Bas, et donc, ils ne parlaient pas français. Et donc, on s'entraînait grâce à l'application pour apprendre le français. Donc, on s'entraînait avec des exercices, etc. La bonne chose, c'est qu'on arrivait à passer un examen, en fait, ou un petit test, on va dire, de français. Mais là, ils étaient capables de passer les tests, mais ils étaient incapables de parler français. Donc, on apprenait, ou on développait des choses pour l'examen ou pour les tests, mais on n'arrivait pas à développer des choses pour apprendre vraiment. Et c'est un peu ce qui me dérange des applications, on va dire qu'on voit beaucoup, surtout en Chine. En Chine, on a un exemple qui est très, très grand, qui a beaucoup d'argent, qui s'appelle Skirrel. Et Skirrel entraîne les élèves à passer l'équivalent du bac en Chine. Mais on veut ça ou pas? Donc, c'est cette question-là, et c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions, surtout à partir de ce matin. Donc, si vous voulez, vous pouvez écrire dans les post-it ce que vous pensez et dans la différenciation. C'est que très intéressant, c'est qu'on a vu ce matin. Donc, quelques exemples là qu'on commence à voir, le manque de finesse dans les traitements des réponses des élèves. Très, très, très intéressant. Surveiller notre travail et avancement dans les tâches. Oui, ça la partie privacité, c'est un enjeu énorme, en fait, pour tout ce type de système. Et en même temps, je vais vous partager, pas mon écran ici, je vais vous partager ici dans les chats,
les mêmes questionnaires que j'ai envoyés. Les questionnaires, c'était les pré-questionnaires avant pour les 5 mots. Donc, si vous voulez, ou si quelque chose a changé dans votre façon de voir à l'intelligence artificielle, je viens de vous envoyer les liens. Et vous pouvez écrire les 5 mots maintenant, après cette intervention qui vous vient à l'esprit, et voir si quelque chose a changé. Peut-être que non, peut-être que vous avez les 5 mots, peut-être que la priorisation des mots, elle est différente. Donc ça va être intéressant de voir cette évolution. Donc si vous voulez, je viens de vous copier le lien pour les questionnaires, on a les 5 mots, et vous pouvez mettre les 5 mots, les premiers 5 mots qui vous viennent à l'esprit aussi, pour voir comment ça a changé votre perception de l'intelligence artificielle. Un dernier mot, et après on peut passer aux questions-réponses, et pour terminer l'atelier. Une dernière chose, et cet exercice, on l'a fait avec C1, CM2, mais on a d'autres exercices un peu plus compliqués, entre guillemets compliqués. J'utilise plutôt Python, en fait, et des exemples plus techniques, entre guillemets, pour collège, lycée. Donc, on est en train d'expérimenter. On va voir comment ça marche. Les sandwichs, par exemple, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Quand je parle avec le collégien, je parle plutôt des réseaux sociaux, par exemple YouTube. 70% des vidéos que vous regardez sur YouTube, c'est un algorithme qui recommande ces vidéos. Donc, on parle de ça. Donc, on adapte tout en fonction de notre public. Et on essaie aussi de partager toutes ces ressources avec tout le monde parce que je pense que c'est la seule façon aussi d'évoluer, on va dire, c'est de travailler tous ensemble. Donc, chercheurs avec les groupes de travail, donc Margarida, Romero, Thierry Viville, Delinria, etc., Amboyer et Aloria, etc., mais avec les enseignants et les élèves, surtout avec les enseignants et les élèves qui finalement sont les acteurs et que finalement, c'est avec eux qu'on va savoir avancer, on va dire, dans ces sujets. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques questions. On va voir les tableaux aussi. Vous pouvez continuer à mettre des choses, si vous voulez, dans les tableaux qui est là. Si vous les souhaitez, vous pouvez lever la main et allumer et activer votre micro, ainsi que votre caméra, si vous voulez poser une question ou réagir après cette intervention passionnante de Luis. Delphina? Oui, Myriam, j'ai une question pour Luis. Ouais. Déjà, merci pour ce partage. Et je voulais savoir s'il y avait un retour de l'expérience élève. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ils font avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils ont pris une habitude est-ce que d'eux-mêmes, ils ont proposé des projets? Est-ce qu'on peut voir leurs travaux quelque part? Voilà. C'est une excellente question. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'expérimentation, on l'avait commencé en 2020. Et du coup, ce que vous venez de voir, on avait travaillé, bon, pas les mêmes exemples parce qu'on n'avait pas utilisé les sandwichs à l'époque. Et justement, c'est grâce aux élèves et à l'enseignante qu'on a changé les sandwichs parce que c'était des exemples autour des réseaux sociaux, en fait. On avait toujours cette partie données et la prédiction. Données et la prédiction. Un peu la même chose que les sandwichs. Mais le problème, c'était qu'on avait travaillé données et prédiction, par exemple, Instagram, les données pour faire quelle prédiction, YouTube, les données pour faire quelle... Et c'était trop compliqué pour les élèves. Il y avait certains élèves qui connaissaient, mais d'autres élèves qui n'étaient pas à l'aise. Donc, on a changé l'analogie. Mais après, on avait la deuxième séance pour justement se mettre à travailler avec ça, de proposer des projets, etc. Et en fait, c'était un jour avant le premier confinement. Donc, on était impactés terriblement par les confinements. Et le problème, c'est qu'après, c'était des élèves des CM1, CM2. Donc, les élèves des CM2, ils ont passé au collège. Donc, ce n'étaient pas les mêmes élèves. Donc, les 2 février, on a recommencé toute l'expérimentation. Et donc, on a eu en novembre, ils ont fait de la robotique. En janvier, il y a un chercheur de La Rochelle qui est allé avec un NAO. En février, on a ce que vous venez de voir. En mars, ils vont se mettre vraiment au travail. Donc, malheureusement, on a impacté 2020, il n'y en a pas vraiment les exemples, tout ce qu'ils ont fait, etc. Mais on est en train de filmer un témoignage, comme ça on va pouvoir partager avec tout le monde tout ce qui s'est passé avec ces élèves.
et à peine dans les témoignages. Donc, je pense que ça va être très intéressant pour voir qu'est-ce que ça donnait en fait avec les élèves. Et on va faire un témoignage en deux parties et qu'on va le publier partout finalement. On va les partager partout et on va, il y a in fine l'événement qui arrive à Poitiers. Et on va le diffuser, je pense, en juin, les deux témoignages. Mais malheureusement, on était tellement impactés par les premiers confinements qu'on n'a pas pu continuer vraiment avec les élèves. Mais il y a des choses fascinantes et dès cette première intervention, qui est par exemple une petite fille de CM1 et quand on était en train d'échanger, parce qu'on avait un bingo à l'époque, donc on avait conçu, au lieu de l'exercice des sandwichs, on avait un bingo. Et l'élève, il disait, ah, mais en fait, l'intelligence artificielle, elle essaie de prédire toujours ce que nous allons aimer, hein. Et en fait, c'est vrai. Et c'était très intéressant comment elle, en CM1, elle est arrivée à cette conclusion à partir de tous nos échanges. La deuxième partie, c'est vraiment mettre en pratique cette chose. Et avec les lycéens, c'est de reconcevoir les choses. Par exemple, YouTube, 70% des vidéos qu'on regarde, c'est YouTube qui nous recommande ces vidéos. C'est bien, c'est mal. Comment on peut reconcevoir YouTube pour respecter mieux notre privacité, pour nous confronter à plus de vidéos, pas nous enfermer à juste un type de vidéo. Et c'est là qui va devenir fascinant parce qu'ils vont devenir concepteurs finalement. Louise, merci beaucoup de ces précisions. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a Laure qui est avec nous, qui a travaillé avec toi. Voilà, Laure, elle est arrivée. Parce que je disais, Laure, voilà. Elle est arrivée. Je crois que tu ne l'as pas vue. Et donc, justement, tu regarderas après tous les commentaires qu'elle a faits sur les chats. Mais notamment, Laure, je t'invite à prendre la parole et à allumer ta caméra, peut-être. Oui, mais bonjour. Voilà, comme ça, on est au complet pour l'atelier. Voilà. Tu vois ? Bonjour à tous. Oui, du coup, le projet s'est fait dans ma classe l'an dernier. Et là, actuellement, j'ai changé de poste. En fait, je suis sur un poste de conseillère pédagogique. Donc, en fait, on a décidé de continuer le projet parce que ça m'embêtait de le laisser en attente ou de l'arrêter là. Et donc, il a été transféré sur une classe de CE2-CM1 de la même école. Donc, on a sur un profil d'élèves assez similaire, mais du coup, ils sont un peu plus jeunes. Donc là, actuellement, l'expérimentation, elle est vraiment en cours de route. Donc, on n'a pas le recul et l'évaluation. C'est ce que disait Louis, il a très bien expliqué. Par contre, ce qui est en train d'être fait, c'est que chaque séance que nous avons créée est réajustée au fur et à mesure. Et à la fin d'une séance, moi, je rédige une fiche de préparation, en fait, pour que ça puisse rentrer dans une programmation de projet. Et après, ces fiches sont alors clés en main, oui et non, parce que, par exemple, la dernière séance qu'on a faite, c'est l'intervention d'Arnaud Revel, chercheur à l'Université de La Rochelle, qui est venu avec un AO. Donc ça, si on n'a pas l'intervenant et si on n'a pas le robot, c'est pas clé en main. Mais voilà, ça pourrait être réutilisé sur la forme si on peut avoir le matériel à disposition. Voilà, donc après, si ça intéresse, moi, je peux diffuser ces fiches-là après. Ce serait très intéressant, Laure, effectivement, que tu puisses mettre à disposition des participants, je pense. Après, sur les sites d'Eidos, on va mettre des diaporamas utilisés par Luis. Et si tu pouvais nous fournir ça, ce serait super. Et on a dépassé les temps. Je vais mettre ma caméra, ça va être plus sympa. Et donc, on a dépassé le temps. Juste, il y a Jean-Pascal qui a une question. Dernière question, parce qu'après, vous savez tous, et lui aussi, à notre atelier. Donc, Jean-Pascal, si vous pouvez prendre le micro et m'allumer votre caméra. Ah oui, vous m'entendez là ? On vous entend, Jean-Pascal. Ouais. Je voulais juste faire une petite réflexion, c'est qu'en fait, ce qui me gêne un peu par rapport aux enfants, c'est qu'on met de l'intelligence partout, mais en fait, dans l'intelligence artificielle, en fait, celle qu'on décrit là, il n'y a pas d'intelligence, en fait. Dans un algorithme, il n'y a pas d'intelligence. Enfin, l'intelligence, elle est dans celui qui le construit, l'algorithme. Et donc, il ne faudrait pas faire croire aux enfants qu'il y a de l'intelligence derrière, en fait. Ce n'est qu'une somme d'instructions qui sont mises en œuvre. Et même quand il y a des inductions derrière, c'est des inductions qui sont, j'allais dire, pas intelligentes, en fait. Voilà.
la réflexion que je me fais, c'est que est-ce que les enfants comprennent bien que ce qu'on appelle intelligence artificielle, l'intelligence, elle est avant, elle n'est pas pendant ou après, en fait, dans les résultats. Là, je réponds. En fait, sur le déroulé de la séquence que j'ai créée et où on a construit avec Louis, c'est vraiment ça. La première séance, c'est qu'est-ce qu'un robot ? Donc, on voit différents types de robots et les capacités de ces robots-là. Et après, on aborde les composants du robot et son cerveau, en fait. Et on commence à parler de programmes, d'effecteurs, voilà, de toutes ces petites choses. Alors, on part de la robotique, hein. C'est pas que intelligence artificielle, c'est robotique et intelligence artificielle. Et du coup, là, jusqu'à maintenant, on n'est pas allé dans ce qu'a présenté Louis. Ça, c'est la prochaine séance. Donc là, ça fait 3 mois qu'on travaille déjà dessus. Et pour l'instant, on a vraiment parlé que de cette forme d'intelligence. On a l'impression que nos robots, ils savent faire les choses tout seuls et qu'ils ont l'air intelligents. Mais pourquoi on dit artificiel ? Parce que derrière, c'est la main de l'homme qui a mis un programme dans le robot. Voilà. Donc, on a bien cette notion-là avant la présentation que vous avez aujourd'hui. Oui, non, c'est très bien, parce qu'en fait, en termes de com, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Hein. Ouais. Il existe peut-être une vraie intelligence artificielle, mais elle est un petit peu ailleurs. Quoi. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que c'est bien tout ce qui est coding goûté, enfin, l'initiation au code. Ça montre aux enfants que, en fait, derrière leurs ordinateurs, il n'y a pas de la magie. Quoi. C'est quelque chose de rationnel et c'est l'humain qui est derrière, en fait. C'est exactement l'objectif du projet. Et ils sont acteurs finalement dans la, même pas la séance de février, mais la séance de mars. Et avec ce que je disais, le chat, les chiens, c'est pour ça que j'ai montré l'exemple aussi avec les chevaux courts, etc. L'importance de l'humain derrière, en fait, qui entraîne les modèles, en fait. Bon, merci énormément, Luis, de cet atelier, encore une fois, que j'ai trouvé passionnant. Merci et merci, Laure, des contributions. Merci à vous tous d'y avoir participé. Je sais que vous n'avez pas trop de temps entre deux ateliers et que peut-être vous voulez profiter pour faire une petite pause café ou thé. Mais sachez que sur les directs sur YouTube, vous savez, des entretiens des conférenciers de ce matin et des animateurs d'ateliers aussi de cet après-midi. N'hésitez pas à y aller et merci beaucoup encore une fois et bonne continuation pour les ateliers qui suivent. Merci.